Prenant cette information, j'ai suivi avec étonnement une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, vidéo produite et diffusée par la chaîne YouTube dénommée www.sangoyakongo.com. Dans cette vidéo, je suis accusée par un membre du Parlement des bergers des Rwandais dans ma concession dite Nzambandangi, tout en menaçant de m'arrêter de faire une expédition punitive dans cette concession. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'une telle accusation soit portée contre ma personne et qu'heureusement, c'est toujours quand le pouvoir change de main. Je ne me sens pas personnellement concernée par ces accusations parce que ma concession ne sert qu'aux activités agro-pastorales et touristiques, cadre ouvert à tout le monde et sécurisé par la police nationale congolaise. Néanmoins, une partie de ma concession est illégalement occupée depuis près de 20 ans par le rebelle Alesbel, le message du Graal au Congo dont je suis président et représentant légal. Cette partie dont je n'ai pas le contrôle mérite effectivement une attention particulière de l'autorité dans le souci de savoir exactement ce qui se passe. Quant à l'accusation gratuite qui porte atteinte à ma personne, je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation faite à Kinshasa le 13 janvier 2021, innocent Ndangué Bia.